arrête pendant plusieurs semaines. Ça, c'est lié à le match contre Carcassonne. Et suite Rufenek qui a mal à l'épaule, qu'on espérait pas trop grave. Et tout dernièrement, Mathieu Hirgoen qui a un problème de poignet, de main, et que, qui se fait opérer ou qui a se fait opérer, qui s'est fait opérer aujourd'hui, qui risque d'être out pendant plusieurs semaines. On connaît la durée de l'absence pour Romain ou pas? Non, pour le moment, on ne connaît pas. Il vient de passer ses examens, ou un deuxième examen. On espère le mieux. Pour le moment, ce n'est pas trop grave. Mathieu Hirgoen, après le match, disait que c'était un défi, un match qui peut vous plaire parce que c'est un match à défi. Est-ce que tu confirmes? Oui, on joue du rugby déjà, donc le défi physique, il fait partie. Surtout, qui nous plaisait, c'était le rythme, l'intensité. Deux équipes, ce n'est pas toujours le cas que les deux équipes jouent et vont à fond dans le jeu. Souvent, c'est autour de conquêtes plus stratégiques. Ce match-là était vraiment, les deux équipes, ils ont vraiment essayé de jouer offensivement, qui faisait qu'il y avait des belles essais, mais surtout des soucis défensifs et un rythme terrible. La première mi-temps, c'est les chiffres les plus intéressants depuis cette saison. Donc, c'est parce qu'il y avait les deux équipes et parce qu'il y avait un rythme important et pour moi, un niveau important. C'est un bon niveau de notre championnat. Donc Barnabé, toi, depuis quelques matchs, tu prends du temps de jeu. Comment tu te sens par rapport au groupe? Ouais, effectivement, je commence à enchaîner les matchs, enchaîner les titularisations. Donc, ça fait toujours plaisir de jouer, d'apporter ce qu'on a et ce qu'on sait faire au groupe. Donc, après que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui joue, je pense qu'on a tous la même volonté, la même ambition, c'est de pousser l'équipe vers le haut. Maintenant, c'est moi qui ai la chance d'être sur le terrain. Donc, j'essaye de me donner à fond dès que je suis amené à jouer. Et donc après, on essaye de voir comment se déroule le match, ce qu'on peut faire. Et on fera les comptes à la fin. Et sinon, après, au niveau du groupe, tout se passe bien. Il y a d'excellents joueurs autour de moi, des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc moi, ça m'aide forcément à progresser peut-être un peu plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer. Donc c'est que du positif.